Hello, bonjour à tous ou bonsoir, tout dépendra de quand je vais pouvoir monter cette vidéo. En tous les cas, voilà, on est le 9, je viens de recevoir ma box et j'ai qu'une seule hâte, c'est l'ouvrir. Du coup, déjà, je vais tourner cette vidéo avec vous, donc je mets mes lunettes. Allons-y pour l'ouverture de cette box. Ça fait une petite heure là qu'elle est posée, que je me prépare comme ça pour vous faire la vidéo. J'ai hâte, je sais pas ce que j'ai ce mois, j'ai hâte, c'est les fêtes qui arrivent, les cadeaux, les surprises, enfin bref. Moi, ça y est, je suis dedans. Alors, c'est parti. Donc, ce mois, on a un packaging normal, hein, la box rose habituelle. J'ai hâte, je me suis même pas spoilée en allant sur le site. J'ai jamais fait ça, je crois que c'est pour ça que j'ai autant hâte de l'ouvrir. D'habitude, j'ai au moins une idée de un ou deux produits, mais là, rien du tout. Du coup, vraiment, vous allez avoir un avis et une réaction 100%. Voilà, c'est parti. J'ouvre et je découvre à peu près, voilà. Et on découvre, on voit rien du tout, mais en tous les cas, c'est bien emballé. C'est toujours bien emballé. Franchement, ça va faire 4 ans maintenant, j'ai jamais eu de casse. Je prends mon QR code et c'est parti. Ça y est, pas comme la dernière fois. Oui, par contre, au niveau QR code, la dernière fois, j'ai bien galéré. Et je l'ai eu en anglais en plus au final. Du coup, j'ai pas pu vraiment. Enfin, après, j'ai été sur Google, mon meilleur ami, hein. Allez, le petit teasing. Hey Glossy, je crois que je vais le mettre comme ça. Da, c'est mieux, je vais voir plus clair. Bienvenue en octobre, le mois où la beauté de l'automne brille de mille feux. Notre box automne glow d'octobre. Donc à mon avis, il y a plein de trucs glow. Peut-être un. Enfin, on va voir. On va découvrir. Et pensez pour adapter votre routine de mi-saison lorsque les températures baissent et que l'air frais commence à se faire sentir. Ce mois-ci, nous avons sélectionné des produits de soins inspirés de l'automne qui nourriront votre peau et lui donneront de l'éclat tout au long de la saison. Des crèmes hydratantes veloutées qui protègent contre l'air frais aux soins revitalisants qui donnent à votre teint un éclat naturel. Chaque surprise est conçue pour illuminer votre peau lors du changement de saison. C'est vrai que pendant les périodes de changement de saison, on a une tendance à avoir un teint terne. Du coup, franchement, bien adapté en tous les cas à la saison. Alors, votre routine beauté, et découvrez ce coffret qui fait la part belle à la magie de l'automne. Ok, eh ben, hein, allons-y. Moi, j'ai hâte de le découvrir. Alors, waouh. Alors déjà, il y a un produit. Là, je vois. Je vais ouvrir ce petit nez. Waouh, je sens que je vais être très content. Voilà, c'est lui que je vois. J'arrête pas de le voir tourner en ce moment. Glow up. Donc, je vais lire. Donc, de la marque. Glow. Non, c'est Euse. Ah, moi j'ai lu Hub. Hub. D'accord. Ok. Hub. HUB. Ok, gloss à lèvres, Glam, d'une valeur de 11,25 €. Et je suis sûre que c'est cela que je vois tourner en ce moment, ou en tous les cas, voilà, c'est très ressemblant, hein, si c'est pas cela. Et j'avais envie de les tester. Du coup, je suis très contente, vraiment. Je crois que c'est un rose des bois, ça. Waouh, l'odeur. Oh yes. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien choisi. Non, bien sûr, j'ai pas bien choisi l'endroit. Je refais. Voilà, là, ça va être mieux.
Donc c'est un gloss. Et en ce moment, c'est principalement... Je ne porte que ça en journée. Là, j'ai mis un marron, mais habituellement en journée, j'ai que ça sur les lèvres. Il sent super bon. Ben, j'ai hâte de tester. Je l'essuie avant de m'en mettre partout. Très contente de ce premier produit. Je m'y attendais pas du tout. Et du coup, vraiment super contente. Ça vaut le coup de tenir le coup et de ne pas se spoiler et tout. Enfin bref, à vous de voir. Du coup, une bougie senteur coton frais de la marque Bar Beauty d'une valeur de 10,50. Alors là, yes, youpi, c'est la saison. J'adore mettre des bougies, surtout le soir. Du coup, ravi, ravi. Alors, en plus, elle sent bon. Donc, je vous montre comment elle est. Le retour n'est pas terrible. Ça sent le frais. Ça sent un peu le savon, je trouve. Enfin, on verra une fois, voilà, une fois allumée comment elle va diffuser. Mais je suis super contente de ce deuxième article. Je continue dans ma découverte. Et là, j'ai un sérum éclat de la marque Beublé T Cosmétiques. Un sérum glow. Ce sérum pour le corps, magnifiquement parfumé, vous donnera un superbe éclat tout en... D'accord, ok, hein. Moi j'adore toutes ces petites choses-là et je les utilise. Mais j'avoue plutôt le printemps et l'été que l'hiver. Maintenant, voilà. Oui, peut-être, voilà, le soir, pour une soirée, ça peut être sympa pour une soirée, effectivement, voilà. Si vous portez une robe décolletée et tout, ça vient donner du glow au buste, oui, pourquoi pas. Mais voilà, sinon, c'est plutôt le printemps et l'été, parce que justement, j'ai les épaules découvertes, ça, j'aime bien, je mets souvent comme ça des huiles brillantes. Ensuite, on a un sérum à la vitamine C. De la marque Balance Me, ça je connais, j'aime bien les produits. Alors là, on est sur un format voyage. Éclaircissez, rajeunissez votre teint avec le sérum. Donc d'une valeur de 15 euros pour le sérum de la marque Balance Me. Donc ça, c'est pour le visage. Il est bien donc pour l'hyperpigmentation. Moi, je sais que j'en ai mis un dernièrement. Je ne sais pas si c'est la même marque, mais en tous les cas, moi j'aime bien, je mets et surtout après l'été, surtout l'hiver. Du coup, parfait. Ensuite, j'ai un autre sérum à la grenade. C'est un full size. Ah, c'est ou l'un ou l'autre, je crois. Attendez, je m'assure d'un truc. Oui, du coup, moi, j'ai eu le sérum. Sinon, il y a la possibilité d'avoir, à la place de ce sérum-là, la possibilité d'avoir, du coup, dans un format full size. Sérum à la grenade. Bon, moi j'ai eu ça. Mais j'aime bien. Je suis contente. Voilà. Et dernier produit. Yes! Super! Et le mien, il est en train de devenir sec. J'étais justement... Bah, quand j'ai voulu faire ce petit make-up, j'ai un peu galéré sur la fin et j'étais en train de me dire qu'il m'en fallait un autre. Et ben, en voilà un de la marque Bang Beauty. Donc l'eyeliner liquide d'une valeur de 18,60. Trop contente. Trop contente parce que là, clairement, le mien, il fallait que je le change. Et je l'ai pas mal utilisé en même temps. Il a fait son temps. Du coup, je vais pouvoir découvrir celui-ci. Alors, bien sûr, il y a un plastique tout autour, tout ce que je déteste.
Eh ben, waouh, j'ai dû aller chercher les ciseaux pour l'ouvrir et tout. J'ai bien galéré, mais j'y suis arrivée et j'adore la pointe. Et voilà, je vais essayer de faire plusieurs styles de traits. Super. Waouh. On peut vraiment, il est très maniable. Super. Eh bien écoutez, à suivre au niveau finition, tenue, tout ça, quoi. Voilà. Sinon, je sais pas ce que vous avez pensé de cette petite box, mais moi, je suis ravie, très contente, agréable surprise pour ce petit mercredi après-midi. J'ai eu mon petit cadeau de la journée. Voilà, je suis contente. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et à très très vite. Bye!